il a pas mis le setup du son. Moi je sais pas, il est sale, hein. Je sais pas. Je sais pas si le je pense pas que ça serait une bonne chose d'essayer de le régler. Je vais le régler, sûr. Non. Ça là. Ah, faut le déplacer. Oui, il est bon là le truc. Non, c'est juste qu'il était sur le score. Ouais. Sur le score. Hein. Alors, petit avantage pour Yoyod. Il voilà qu'il va devoir vraiment rentabiliser sur le neutral. Pas trop se faire edgeguard. Parce que Yoyod est en train d'entrer. Joli. Ouais, nice. H. Oh, let's go. Il aurait pu le lock là, non? Ouais, il aurait pu le lock. Hein. Je sais pas quoi, il aurait pu le lock, mais il aurait pu le lock. Ah, ça lock? Ah ouais, ouais, c'est vrai, ouais, le premier hit, ouais. Ouais, il aurait qu'à aller observer, c'est ouais, serait mûr, ouais, il serait mort. Eh, bon, là, je sais pas que pendant sa vidéo, mais à chaque fois, il sort du jeu. Ouais, de temps en temps, il va sur le ladder, de temps en temps, mais il se dit, j'en ai plus à la main. C'est vraiment ça, ouais. Bien remonté là, ah ouais, le petit combo il lui a fait prendre un petit momentum. Edge guard, non. C'est bien parce qu'avec Villager il va bien pouvoir temporiser sa reco et pas se prendre des trucs comme juste des ADSS là. Par les dents de vie à la remontée, des trucs comme ça. Dernier petit touche, dommage. Il va peut-être plus tenter un upper avec de la chance d'avoir les 3 boules là. Oh! Et enfin, il a eu de la chance d'avoir le hit lag de l'arbre avec son air. Ça serait vraiment mort. Joli back hein. Ouais, il essaie trop de rentrer dans. Connaître la défense des LSS et c'est bien punir pour ça. Comme ça, c'est pas l'endroit où tu te retrouves contre des LSS. Surtout après un hit lag. C'est ça, ouais. Toi, Clara, t'as peut-être le dame du spa qui tue, là. Avec la rage. Sur le BF, je pense pas. Parce que tu sais, le stage il est. Ouais, c'est grave. Ouais. Sur le. Ouais, là, c'est plus peut-être tué, hein. Avec la mer. Je sais pas. Ouais, avec la rage, c'est pas. Parce que le BF, il est vraiment grand. Trop long. Il voulait en fait faire un scrum. Oh, ouais. Ouais, c'est dommage parce qu'il avait fait pousser l'arbre d'un seul coup, ça l'aurait shield break, mais la petite butte n'était pas là en fait. Habibi, je suis comme un peu. Oh, Habibi. Super. C'est bien que tu sers de l'arbre comme ça, pour pas se prendre des lasers ou quoi. Fait qu'il doit aller forcément pour. Il est obligé de la pousser par les airs. J'ai le backer. C'est risqué ça de prendre. Il aurait dû le tenter, hein. Mais si, franchement, ça se tentait, ouais. Mais s'il tentait, il aurait pu. 340 et tout. Ouais, c'est la stun qui te sort et tout, et tu meurs, quoi. Encore, franchement, c'est des choses qui sont trop bien. C'est un pic de PR ou des trucs comme ça, parce que c'est beaucoup de ouais. Ah, il tombe des coups, enfin, je crois. Là, c'est bien, ça devient spacé. Il devrait être plus spacé, c'est plus comme ça. Au lieu d'approcher avec les nerfs et tout, c'est pas. Voilà, tu vois, je sais pas, il faut get up l'air et c'est plus qu'on débarque sur ça. Ça, c'était bien joué, le petit neutralisme de la. Et en fait, si Yoyod gagne la première game, la deuxième game, c'est peut-être fatal pour Wallier. Ah, puis, si la gagne, quand même. Ah, elle est bien tempo. Bon, j'ai plus passion. Ouais, voilà. Oh. Là, il nous rentre un bac. C'est ça. Oh, nice. Yoyod qui est vraiment en train d'analyser un peu Wallier, je crois. Hein. Il regarde ses réactions et tout, et c'est pour ça que je dis à la prochaine game, si le gars s'adapte pas, il va se faire ouvrir. Après, c'est vrai qu'il est grave bon sur le BF, et je sais pas si contre le BF. Enfin, je connais pas trop le match-up. Ouais, il se déroule plutôt bien pour l'instant. Il faut juste qu'il adapte son style de jeu. C'est plus space offert et Uber. On va trop essayer de rentrer dans. Ah. La fin. Je vais essayer. La prochaine game il va me défoncer, je pense. Je pense. Là regarde, il aurait pu faire un dump B. C'est proche.
Là, le Yod, il aurait pu faire un Dambi Spike, tu vois, après l'air dodge. Il a pas fait, tu vois, il a regardé, il a vu l'air dodge, il a regardé, tu vois, il est vraiment en train d'analyser. Il va peut-être prendre en compte toutes ses erreurs, tu vois, là, il commence vraiment à être dans sa tête. Hein. Et il s'est même de stage et tout. Hein. No respect pour le villageois. Oh joli! Oh, let's go! Totalement voulu, machallah, let's go! Arrête. Aïe! Ah, ça touche derrière, c'est l'arnaque. Putain, pas il a grave. Poussé un peu. Pareil, fort, on vous entend pas. Non, c'est parce qu'on est assez loin. Là. Ok! Bon, du coup, 1-0 pour. Ah, 1-0, ouais. Il a bien analysé. Merci, mec. C'est quand même bien joué de la part de Volia, quand il faut préciser. Lilat Wars. Lilat Wars. La guerre des Lilat. Lilat Cruz, non? C'est Lilat Cruz, ouais, c'est Lilat Wars. C'est déjà Star Wars et Lilat Wars. Ouais, c'est la deuxième version, quoi. C'est la sequel. Montez juste le gain du micro. Comment tu fais pour monter le gain? C'est pas là, là? Un petit peu son truc, c'est pas là? Non, ça c'est pour le casque. Ok. Ah non, c'est derrière, gain. Mais il est déjà à fond, ouais, il est à fond. Ah, il est à fond, bon bah. Oh, on va le mettre comme ça au pire. Vas-y, on va parler plus fort. Comme ça marche, hein, si tu le mets comme ça. Non, c'était pour être. Ah, ok. Là, t'as mute. Là, j'ai des mutes. On va crier alors. Ouais. Début de combat. On retourne sur Battlefield. Je sais pas si c'est un bon choix. Donc, le micro, on va attendre le centre du jeu. Merci Harry pour tes conseils très exceptionnels. Dommage que t'es pas venu pour t'aider. Mais bon, c'est pas grave, on t'apprécie quand même. Tu vois, tu dis, le Yod là, sur la prochaine game, c'est vraiment de l'offstage et tout. Hein. Après, tu sais que. Backer, ouais. Le gars, il s'adapte mal parce qu'il reste trop à l'edge. Ouais, c'est ça, je t'ai dit, ouais, nice. Il est vraiment en train d'essayer de le foutre la merde. Les gens ont vraiment un meilleur sens sur le jeu. Voilà, genre, tout le temps il peut se retrouver à l'aide du coup. C'est ça, c'est pas mal. Parce que ça, c'est au lieu d'essayer d'approcher avec des. C'est trop bête sur ça. Au lieu d'approcher avec des nerfs, il devrait plutôt. Même pas essayer de comment il se fait un backer. Mais il a fait 300 air dodge et l'autre il arrive, il se prend un backer chez lui. C'est exactement ce que je suis la game d'avant. Le dodge, il a vraiment joué aggro, il a putain comptabilisé sans air dodge et voilà. Dommage. La RNG est pas avec lui. Ah ouais, tu vois, il a read déjà le wall jump sur le chat de là. Je suis pas assez volé. Enfin, je suis jamais aussi volé. Je suis jamais. Ah, c'est bon, jamais. Oh, bien joué, nice. Ça c'était propre. Je sais pas s'il a ride le fait qu'il ait fait le down B ou le fait qu'il voulait peut-être l'edge cancel puis qu'il fallait le faire. Ou s'il a bourré. c'est peut-être ça. Oh dommage, ça va vraiment mieux en fait. C'est ce qu'il doit faire, dommage à Dance Smash. T'as pas vu le plus vite Dance Smash là pour que c'est ça. Le coach. Comme on disait tout à l'heure. Vraiment. C'est grave. Ouais, ça a marché, pourquoi pas, mais. Il s'est joué que sur ça. Ma ville, ça aurait été mieux. Oh non, le dun. J'ai dit, il y a l'autre qui allait bien rentabiliser sur l'offstage après la seconde game. Hein. C'est bien l'habitude du jeu de Volia et ça vient rentabiliser, dommage. No way. Volia qui a bien joué dans l'ensemble, je trouve.
Dommage. Eh Jean, faut changer de stage. Alors, ton petit ressenti. Bah c'est dommage, c'est que t'étais pas mauvais dans le neutral et tout, mais tu chillais pas assez. Et après, sur la première game, il t'a analysé. Et la deuxième, il a fait que top stage avec des backers et tout. J'hésitais entre Smashville et BF, mais... Je pense que tu prends Smashville. Ouais. T'as plus le carré de plus en plus.